Amon Chic, la coche caviar, la coche champagne, la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Papouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends. Avec elle, tu es sur terre. Avec elle, tu ne palanes pas. C'est la ferregola des coachs. La déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, là, c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fait casser pour vous donner. Il a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça, c'est rien, ça, pour moi. C'est quoi, ça est. Tous les cas, on commence. On commence. Le téléphone, déjà, ça crépite. Allô? C'est pour trouver l'amour? Oui, ma coach. Oh, non, faut pas quitter, faut pas quitter. Oh, okay. Attends, faut pas quitter, faut pas quitter. Oui, ma chérie, tu appelles d'où? Tu appelles de quel pays? Je suis en Sydney, Australie. Tu es en Australie? Oui, oui. Tu veux trouver l'amour? Je veux trouver l'amour, ma coach. J'ai souffert pendant longtemps. Tu es célibataire pendant, ça fait combien d'années? Je ne suis pas célibataire, mais je vais l'être. Tu n'es pas célibataire, tu vas l'être. Ça veut dire quoi? Tu es devenue charlatante? Non, je ne suis pas même yougos, mais il a que mon mari me trompe, il fait beaucoup de choses, je ne l'aime plus. Ton mari te trompe, il fait beaucoup de choses, tu ne l'aimes plus. Oui, ma coach, mais j'ai quelqu'un que j'aime, mais lui, il ne sait pas. Mais on cause. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Ton mari te trompe, tu ne l'aimes plus. Donc, ça veut dire que tu veux le quitter parce qu'il te trompe. Ton mari te trompe. Il sait qu'on va se quitter. Comment ça, il sait que vous allez vous quitter? Ça veut dire quoi? Ça ne marche pas, ma coach. Bon, vous allez vous quitter parce que ça ne marche pas ou vous allez vous quitter parce qu'il t'a trompé? Il m'a trompé plusieurs fois, ma coach. Combien de fois? Ça fait combien de fois? Avec tout le monde, presque tout le monde. Tout le monde, ça veut dire quoi? Donc, tout le monde à l'église, même les mamans de, âgées de 45, 40 ans, et lui, il a 29 ans. Ouh, mais le jeune, il est tronchon, il est perspicace. Donc, ça veut dire que lui, il a 29 ans. Je souffre. Quand on fait l'amour, après 2 semaines, je tombe malade. Les infections. Oui! Ah non, ça franchement, ça fait peur, ça. Ça fait peur. Donc, ça veut dire que lui, il a 29 ans, vous êtes marié. Et là, l'église où vous partez là, il a couché avec tout le monde là-bas. Tout le monde, parce qu'il chante dans son choral là. Oui. Il a couché avec tout le monde. Oui. Même les mamans, même de 45 ans, 50 ans, ils m'ont ça. Même les mamans, ma coach de 50 ans. Même les mamans de 50 ans, ils m'ont ça. Oui, ma coach. Et à chaque fois que vous avez des rapports, tu as des infections. Même ici, j'ai mal en bas là. Ah, ça veut dire que vraiment, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Ok, ma chérie. Sérieux, ma coach. J'ai essayé, j'ai même prié. Je suis devenue chrétienne, mais ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Tu es devenue chrétienne, mais ça ne marche pas. Ok, ok. Oui. Donc, tu cherches l'amour, ma chérie, c'est ton choix, hein, c'est ton choix. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour donner des conseils. Ma coach, j'ai quelqu'un que j'aime et lui aussi, il le sait. Mais j'ai besoin de ton aide, ma coach. Tu as besoin de mon aide, comment? Ici, là, c'est, on veut trouver l'amour. Ça veut dire que tu veux chercher l'amour. Oui, je vais trouver l'amour. Oui. Je vais chercher l'amour. Ok. Comment on fait? Je donne mon numéro? Non, 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 faut te calmer. Ton numéro, c'est moi qui vais prendre. Et la personne, déjà, laisse-moi te poser des questions pour voir si tu es une bonne candidate. Hein? Ok, ma coach. Ok, tu as quel âge? J'ai 27 ans. Tu as des enfants? Oui, j'ai 4 enfants. Tu as 28 ans, tu as 4 enfants? Oui, j'ai 27 ans. 27 ans, tu as 4 enfants. Tu as fait des jumeaux? Non, ma coach. Il m'a senté chaque jour, donc chaque année un enfant, chaque année un enfant. Oui, ma chérie, il y a 27 ans déjà. Ok, tu es oui. Oui, ma coach. Ok, donc ça veut dire que tu as 27 ans, tu as 4 enfants. Tu travailles, ma chérie? Oui, oui, je travaille avec la police. Tu travailles avec la police? Oui. Bon, tu touches combien par mois?
2 000 $ par semaine. Tu touches 2 000 $ par semaine, environ 1 700, 1 800 euros par semaine. Oui. Ok, ma chérie. Bon, ben, tu cherches l'amour. Donne-moi tes critères. Tu cherches un homme de quel âge à quel âge? Celui qui va me protéger, c'est moi. Même s'il a 70 ans, tu le prends? Ah, ma coach. Il faut qu'il soit beau gosse. Il faut qu'il soit beau gosse. Oui. D'accord. J'ai pas les choix, donc quelqu'un donne. Ok, ma chérie, il ne faut pas quitter parce que je dois prendre un stylo et une feuille pour noter les numéros des personnes importantes. Et après, je vous mets en contact. Mais si je dois vous mettre en contact, vous payez les frais de contact. Hein? D'accord? Ok, ma coach. Faut pas, faut, beaucoup, ma oui, il ne faut pas quitter. Oui, faut pas quitter. Oui. Ok, ma coach. Oui. Eh, hey, Seigneur, où est le stylo là? Ouh, il n'y a pas de stylo. Il y a un stylo rouge, mais c'est pas grave. Ça écrit. Ok, ma chérie, ok. Donc, tu cherches un homme, n'importe quel âge, hein? Oui, ma coach. D'accord. Alors, cet homme, il doit travailler ou bien il doit être chômeur? Il faut qu'il touche l'argent. Faut qu'il touche l'argent. Oui, ma coach. D'accord. En Australie, hein? Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais tu es toujours avec ton mari ou bien vous n'êtes plus ensemble? Il est là. Vous êtes toujours ensemble? Oui, ma coach. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, ma chérie. Bon, j'ai pris ton numéro. J'ai pris ton numéro. Et tout à l'heure, on va voir s'il y a des intéressés. Ok, ma coach, merci beaucoup. Mm-hmm. Ok, il n'y a pas de souci, ma chérie. Donc, j'ai ton numéro. Tu as 27 ans, oui. tu as 7 enfants. Tu veux trouver l'amour, tu vis en Australie. Et l'homme que tu recherches, il faut qu'il soit en Australie ou bien il peut être dans un autre pays. Partout, j'aime pas les choix. Partout, hein? Même s'il est en Afrique, ça te dérange pas. Partout. Non, ça, oui, partout. Ok, ma chérie. Ok. Donc, ma coach, oui. Je vais être clair. J'ai 2 filles, 2 garçons. Tu as 2 filles, 2 garçons? Oui, par oui. Contre. Il faut que je note ça, c'est important. 2 filles, 2 garçons. 2 filles, oui. 2 garçons. D'accord. Ok. Et Australie, hein? D'accord. 27 ans. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, ma chérie. Ok. Donc, on reste en contact. Tu me contactes après sur WhatsApp, hein? Ok, ma coach. À tout à l'heure, ma chérie. Ok, ma coach. I love you so much. Oui, I love you. Oui. Ah, le téléphone, ma chérie, si tu diminues pas ma voix, je prends un autre appel. Je n'ai pas le temps de dire diminue ma voix. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson, c'est ça. J'ai baissé, mon coach, j'ai baissé. Ok, ma chérie, fais attention. Oui, tu vas trouver l'amour? Oui, j'appelle pour trouver l'amour, mon coach. Tu appelles pour trouver l'amour, tu as quel âge? J'ai 29 ans. Oui, parle un peu de toi. Fais-nous un peu la bio, là, un peu de bio, oui. Oui, en fait, j'ai 29 ans, je suis d'origine africaine, donc... Ma chérie, s'il te plaît, d'origine africaine, ça veut rien dire. Tu es de quelle origine? Je suis réunionnaise. Tu es réunionnaise, d'accord. Oui. Tu as 27 ans? Oui, c'est ça. Ok, tu habites où, ma chérie? J'habite à Toulouse. Ok, ça veut dire que tu es en France. C'est ça, oui. D'accord. Ok, alors parle-nous un peu. Tu as quelqu'un dans ta vie, tu es célibataire. Quelle est ta situation actuelle? En fait, mon coach, je fais un peu de la biologie de mon histoire. Oui, fais la biologie. En fait, j'étais à l'âge de 17 ans, j'étais mariée avec un blanc. Oui. Ici en France. Oui. Et donc, du coup, ben, j'étais mariée avec un homme qui était vraiment très, très, très fructueux. Très, très fructueux. Oui. Et donc, du coup, j'ai fait très confiance à une amie parce que vu que
vu que je connaissais pas, en fait, parce que cet homme, c'était mon deuxième homme de ma vie. Oui. Donc, je me suis mariée avec cette personne. Et Oui. la personne en question, vu que j'étais un enfant, en fait, la personne, elle avait plus de 50 ans. Et vu que, donc, du coup, j'ai vécu avec lui. Et le problème, c'est que je faisais confiance à une copine que, parce que moi, je ne connais pas, en fait, la vie avec un homme, parce que je n'ai jamais vécu, c'était la première fois. Et donc, en fait, ma coach, le problème, c'est que cette femme avec qui je me suis confiée, c'est lui-même qui est parti avec mon ex-mari. Elle m'a dit tout de partir de là parce que j'étais trop jeune et tout ça. L'homme, il est trop vieux pour moi et tout. Et donc, du coup, coach, donc, du coup, c'est elle-même qui est partie avec l'homme après. Oui. Elle m'a tout fait pour que je parte de là. Et depuis ce moment-là, même, elle m'a même dit plein de choses, coach, Oui. en disant que moi, je suis mauvais et tout, que je ne dois pas sortir avec la personne et tout. Ma chérie, ok. Donc, si je comprends bien, tu t'es mariée très jeune à un homme très fructueux, sauf que tu avais une grande soeur, une grande soeur du quartier à qui tu te confiais. C'est elle qui t'a rasé. Elle a pris ton mari. Oui, c'est Ok, ça. donc aujourd'hui tu as 27 ans. Maintenant tu veux trouver l'amour. Tu Exactement, travailles dans coach. quoi, ma chérie? Pardon? Tu travailles dans quoi? Je travaille dans l'aide-soignance. Tu es aide-soignante. Tu touches combien par mois? 1500. 1500 euros. Ok, 1500 Exact. euros. Ok. Alors, est-ce que tu sais préparer? Bien sûr, coach. Tu prépares bien? Ouh, j'ai fait les courir, j'ai fait les carrés et tout ça, c'est bon, hein? Tu fais les caries, c'est bon. Ok. Alors, quand tu te mets avec un homme, comment tu te comportes? Quand tu es avec un homme, si tu es en couple avec un homme, tu te comportes comment? Comment tu le traites? Alors, mon coach, quand je suis avec un homme, mon coach, afin de sais ce que j'ai vécu avec les dizaines d'années avec mon ex-mari, c'est que moi, l'homme, quand il est dans la maison, en fait, c'est moi qui fais la cuisine et tout ça, parce que j'aime trop quand c'est moi qui cuisine. Bon, j'aime que l'homme cuisine de temps en temps, mais pour moi, en fait, c'est moi la maîtresse de la maison. Ok, Et ma moi. chérie, ok, ma chérie, tes réponses sont assez longues, ça m'arrange pas. Ok, bon, du côté de l'intimité, du côté du mougouli, tu aimes beaucoup le mougouli ou même tu n'aimes pas trop le mougouli? J'adore ça, coach. Tu adores ça. Quelle est la fréquence? Toi, tu veux qu'on te fasse combien de fois par semaine? Le temps qu'il veut, coach, je suis prête. Le temps qu'il veut, tu es prête. Donc, s'il veut faire du lundi au lundi, tu es prête. Ma coach, moi je veux que ça, hein. Ah ben dis donc toi, ça veut dire que ça va chauffer hein, dans tes relations. Ok, il n'y a pas de souci, ma Ma chérie. coach. Oui. Il n'y a pas de souci, ma Moi j'aime chérie. bien ma coach, j'aime bien quand c'est bien long comme ça. Hein. J'aime pas les tout petits comme les blancs là. Maintenant je veux plus ça. Un jour ma coach, j'écoutais avec un Africain là. Maintenant je veux que ça. Je veux plus avec les blancs là, c'est bon. D'accord. Ma chérie, s'il te plaît, dis Whitey. Arrête de dire des mots comme ça. Faut pas créer des problèmes à mon direct. Whitey, désolé. Oui. Alors, donc, ça veut dire que tu as 27 ans et tu cherches un homme de quel âge à quel âge? Ou bien n'importe quel âge? N'importe quel âge, du moment où il est gentil, du moment où il est très attentionné. Ok, faut qu'il soit travailleur ou bien chômeur. Ben, il faut qu'il travaille, ma coach, qui gagne plus que moi, par contre. Faut qu'il gagne plus que toi. Toi, tu gagnes 1500 euros, faut qu'il gagne plus que toi. Ok, ma chérie. Et tu veux que il ait un anaconda. Tu veux pas kikinette, hein? Non, pas anaconda, mais quand même pas un tout petit rikiki là. Hein. Tu veux normalo, hein? C'est ça, normalo? Normalo et tout, quoi, qui va jusqu'au 25. Normalo, hein? Jusqu'à combien? 25. 25 quoi? Ma côte, 25 cm, non? Yeah, ma chérie! 25 cm, c'est ça qui est normalo? Mais pour moi, ça, c'est déjà pas mal, hein? 25, si 25 cm est normalo, alors là, ma chérie, c'est un cheval maintenant. Ok, il n'y a pas de souci, ma chérie. Donc, tu veux. Donc, tu veux normalo, tu as 27 ans, tu habites à Toulouse, tu veux un homme travailleur de n'importe quel âge. Ça veut dire que toi, tu n'as pas de critères en matière d'âge, hein? Oui. Ok, ma chérie, tu rentres dans mon inbox après pour que je te donne un intéressé, hein. Je te donne deux ou trois numéros. Si tu es intéressé, vous allez vous voir là-bas. D'accord. Et comment Or... je fais ma coach pour qu'on puisse se voir, ce qu'on a se parler? Hein?
Je fais comment pour qu'on puisse se parler tout à l'heure? Vous me contactez? Oui, ça c'est mon... Non, je ne te contacte pas, ma chérie. Ça c'est mon numéro. Tu me contactes sur WhatsApp. D'accord, il n'y a pas de problème. À tout à l'heure, ma chérie. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. La Johnson, c'est ça. Allô? Bon, toi, tu ne veux pas diminuer ma voix, je te quitte. Voilà. On a pas le temps. Hein. Ma chérie, si tu diminues pas ma voix, mon chéri, si tu diminues pas la voix, je prends quelqu'un d'autre. Allô? Oui, attends. Allô? Allô, ma coach? Oui, allô? Quand je dis allô, qu'est-ce que vous devez dire? Sinon, je prends un autre appel. Allô, coach, je vais chercher, l'amour. Tu vas trouver l'amour, mais faut ouvrir ton gosier là, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Bonjour, ma coach. Oui. Ma coach, je cherche un homme. Je suis une fille de 25 ans. Il y a deux enfants. Je cherche un homme de 20 à 30 ans. Attends, ma chérie, il faut te calmer. Je vais prendre ton numéro. Arrêtez d'appeler. Je prends le numéro, s'il vous plaît. Alors, je prends ton numéro. 06. Non, non, non. Faut pas donner, ma chérie. Je vois ton numéro. Je prends. Alors, tu as 25 ans. Oui. Et tu cherches un homme de quel âge à quel âge? De 20 à 30 ans. De 20 à 30 ans. Oui, ma coach. OK. De 20 à 30 ans. Ok, tu fais quoi dans la vie? Ma coach, je fais rien d'abord. Tu fais rien d'abord, ma chérie. Ça va être un peu. Ok, bon, écoute. C'est... Vais... Oui. Ma coach, je vais chercher un travail, non? J'ai toujours de chercher un boulot, mais je n'ai pas encore eu. Bon, écoute, faut t'activer, hein? Faut vraiment t'activer parce que il faut que le profil soit travailleur. Ok, tu as deux enfants? Oui, j'ai 25 ans, ma coach. Oui, 25 ans, deux enfants. Ils ont quel âge? Bon, le premier a 5 ans, le deuxième a 2 ans. 5 ans, 2 ans. Pourquoi tu n'es plus avec le papa? Bon, il y a eu tellement de disputes. Et le premier, il est en Afrique, mais moi, je vis en Europe. Ah, les deux enfants n'ont pas le même papa, c'est ça? Oui, ma coach. Ok, donc le premier, son papa en Afrique. Oui, ma coach. Et le deuxième, son papa ici en France. Oui, ma coach. D'accord, ok. D'accord, ma chérie. Est-ce que tu sais préparer? Oui, ma coach, j'ai très bien préparé. Tu sais très bien préparer. Et quel est... Oui. Alors, dans le style vestimentaire, tu as plutôt quel genre de style? Bon, style garçon, femme, un peu de tout, quoi. Ah, tu es un peu un garçon raté, hein? Un garçon manqué, c'est ça? Oui, c'est ça, ma coach. Ok, il y a des hommes qui aiment ça, hein? Il n'y a pas de problème. Ok, ma chérie. Alors, du côté du Mougouli, parle-moi un peu du côté de Mougouli. Tu as quel genre de fille? Est-ce que tu es plutôt genre qui aime le Mougouli ou bien pas trop? Oui, ma coach, j'aime beaucoup le Mougouli. Ça seulement, j'aime. Tu aimes ça seulement, tu aimes? Oui, ça seulement, j'aime beaucoup le Mougouli. Au moins 5 fois par jour, comme ça. Au moins 5 fois par jour? Oui, ma coach. À quel moment tu vas aller travailler si on doit te faire 5 fois par jour? Non, ma coach. Le soir, si tu quittes au travail, on peut faire. Donc, ça veut dire que quand vous finissez de travailler le soir, là, il doit te faire 5 coups? Au moins 5 coups, minimum 5 coups. Eh bien, dis donc, ma chérie, ton profil, il est assez douteux. Hein? Déjà, tu ne travailles pas si on doit te faire 5 coups par jour. Alors là, ça commence à... Bon, écoute, ce n'est pas grave. Peut-être qu'il y a des hommes qui aiment ça. Alors, tu aimes quel genre de tu aimes Normalo, Fitininini ou bien Anaconda? Non, Normalo, ma coach. Tu veux Normalo, pas hein? Fitinini au milieu, pas trop aussi, mais au milieu, Normalo, quoi. Ok, Normalo. Elle aime Normalo. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Ok, ma chérie. Donc, après, tu rentres dans mon inbox. S'il y a des intéressés, je vais vous mettre en contact, mais c'est payant, hein? C'est pas gratuit. D'accord, ma coach. Pas de problème. Ok, au revoir, ma chérie. Au revoir. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. La Johnson, c'est ça. Allô, je veux trouver l'amour. Je veux trouver l'amour. Oui, c'est important, c'est important. Allô? Oui, bonjour, ma coach. C'est pour trouver l'amour. C'est pour trouver l'amour? Oui. Tu as quel âge? Trouver l'amour. Tu as quel âge? J'ai 5 ans. Oh, ma chérie, tu me permets de me parfumer? Ah oui, vas-y. Oui.
ma chérie, tu as 25 ans et tu habites où? Je suis en Belgique. 25 ans, Belgique, hein? 25 ans. Oui, mais j'ai 3 garçons. Attends, ma chérie, 25 ans, Belgique. Attends, je prends ton numéro. Ok. Ok. 25 ans, tu es en Belgique, tu as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Hein? J'ai 3 garçons. Tu as 3 garçons, ok. 3 garçons. Ok, ma chérie. Tu travailles? Oui, je travaille. Je suis aide-soignante. Je fais aide-soignante. Tu es aide-soignante. Tu touches combien par mois? 2000 euros. Tu touches 2000 euros? Oui. Ton loyer coûte combien? Pardon? Mon loyer il coûte 650. Ton loyer fait 650 euros. Ouais. Alors, tes charges, l'électricité, l'eau, tout ça, là, quand tu finis tes charges, il te reste combien? Quand tu finis tes... Donc, j'ai des enfants je prends leur allocation et leur père m'envoie le prime chaque mois, 1000 euros, leur père, c'est un diamantaire. Donc, presque 3000 euros que je gagne par mois. Ok, le papa est diamantaire, donc il t'envoie aussi l'argent, en plus de tes 2000 euros. Ça. En plus de l'allocation, donc 3500 euros par mois. Quoi. 3500 euros par mois, ok. Ok, le profil est assez intéressant. Ok, il n'y a pas de souci. À part de mon assurance de voiture et tout. Oui. Ça va me rester au moins 1500 parce que je paye chaque 6 mois mon assurance. Donc, voilà. Oui. Ok, il n'y a pas de souci, ma chérie. Alors, est-ce que tu sais préparer? Pardon? Oui, je sais préparer. Ok, tu es du genre jalouse ou bien normal? Ouais, je suis très jalouse. Tu es très jalouse, ça veut dire quoi? Jalousie maladive ou bien un peu? Non, normal quoi, je sais me contrôler. Tu sais de contrôler, ok. Alors, dans le Mougouli, tu es plutôt beaucoup mougousseuse ou un peu? Oui, on peut dire moins quoi. On peut dire moins, ça dépend de la personne, s'il y a vraiment de l'amour, voilà. Ok. Moyen, ça veut dire combien de fois par semaine? Ça peut être tous les jours, moi, ça m'est égal ou 4 fois par semaine, ça va aussi. 5 fois. 5 fois par semaine, ça va? Ouais. Ok, alors, tu veux normalo, fitinini ou bien anaconda? Normal. Normalo, hein? Ouais. Ok, normalo. Ok, alors, tu cherches un homme de quel âge? Pas les Africains en fait, mais bon, si ça vient, voilà. Tu préfères quoi? Je préfère pas les Africains, mais bon, si ça vient, il n'y a pas de souci. Tu préfères les Blacks, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, oh. Je préfère pas les Blacks. Ah, tu veux la Whitey? Ouais, c'est ça, exactement. Ok, Whitey. Ok, Whitey. De quel âge à quel âge? De mon génération jusqu'à 40 ans, ça va. De quel âge à quel âge, ma chérie? De 25 à 40 ans, quoi. 40 ans? De 30 ans, oui, de 30 à 40. Ok, de 30 à 40. Ok. Ok, ma chérie, tu me contactes après sur WhatsApp. S'il y a un prétendant, je vous mets en contact. Mais c'est payant, c'est pas gratuit. Ça va, il n'y a pas de souci. Ok, au revoir, ma chérie. Ça va, merci. Oui, oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson, c'est ça. Allô? Allô? Ma chérie, toi, ça fait 10 fois que tu appelles et tu es en mode gratuit. Allô? 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 Quand je dis allô, la personne qui dit pas, c'est qu'il faut dire je prends un autre appel. Non, coach, je suis là. Allô? Oui, allô, bonjour, coach. Allô, bon ma chérie, tu vas couper, faut suivre le direct. Quand je dis allô, c'est qu'on dit et puis tu reviens. Allô. Allô. Bon. Allô. Bon ma chérie, tu diminues ma voix sinon je prends un autre appel. Allô. Oui, bonsoir ma coach. Allô, quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Tu veux trouver l'amour ma coach. Ok, tu veux trouver l'amour, je ne sais pas où tu es ma chérie, tu es au marché? Non, pas du tout. Ok, moins de bruit. Ok, ma chérie, on t'écoute. Fais un peu ta biographie. Par contre, je veux retrouver l'amour. Oui, tu as quel âge? J'ai
27 ans. 27 ans, tu travailles? Oui, je travaille. Tu travailles, ok. Tu gagnes combien? Tu gagnes combien? Tu es au Burkina? Tu gagnes combien par mois? Disons de 150 000. Ok. Là, tu es au Burkina, donc on parle en CFA. 150 000 francs CFA. Ok. Tu as 27 ans. 250 000. Ok. 250 000, tu es au Burkina. Tu as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. Tu as combien d'enfants? Zéro. Zéro, zéro. Ok, ma chérie. Alors, pourquoi tu cherches l'amour? Coach, c'est pas simple. Hein. Moi, je vis. J'étais avec un homme là. Oui. Mais ça n'a pas donné. Ça va au moins une année comme ça. Donc, juste jusqu'à l'heure là. Ok, c'est pourquoi ça n'a pas donné? Est-ce de ta faute ou bien de sa faute? J'ai été trahie en fait. Il t'a trompé, c'est ça? Voilà, il m'a trompé. D'accord. Ok, ma chérie. Ok. Alors, tu cherches un homme qui vit au Burkina Faso ou bien un homme où? Tu cherches où? Partout. Partout, hein? Un peu partout. Voilà. Partout, d'accord. Donc, tu es prête aussi, tu es ouverte à la relation amoureuse, à la relation à distance, hein? Oui. D'accord. Ok, ma chérie. Donc, tu touches 250 000 francs, tu as 27 ans. Mm-hmm. 27 ans, tu vis au Burkina. Mm-hmm. Burkina. 250 000 par mois. Tu n'as pas d'enfant. Ok. Donc, tu cherches un homme de quel âge à quel âge? Disons de 29 à 40 ans. 29-40 ans. Mmh. 29, 40 ans. Ok, il faut qu'il soit travailleur ou bien ça te dérange pas s'il chôme? Oui, il travaille. Il faut qu'il travaille. Il faut qu'il gagne plus que toi ou moins que toi? Plus que moi. Ok. Mmh. Ok, il n'y a pas de souci, ma caviar. Donc, tout à l'heure, tu rentres dans mon inbox. S'il y a, des prétendants, je vous mets en contact. Mais c'est payant, hein? Compris. C'est payant, ma chérie. C'est compris. Ok, à tout à l'heure. Merci, bye. Bye, bye. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, coach. Allô, qu'est-ce qu'on dit? Allô? Coach, je cherche l'amour. Tu cherches l'amour? Oui, coach. Ok, ouvre ton gosier, mon caviar. Ouvre ton gosier. Tu es un caviar ou bien tu es un Yougos? Un caviar. Un caviar, ok. Alors, tu as quel âge? 46 ans. 46 ans, ok. 46 ans. Tu vis en France, hein? Oui. Ok, je prends ton numéro. D'accord. Alors, tu as combien d'enfants? Deux. Deux enfants. Pourquoi est-ce que tu n'es plus avec leur mère? Ben, je suis séparé depuis très longtemps, coach. Combien d'années? 6 ans. Ça fait 6 ans que tu t'es séparé de la mère de tes enfants. Pourquoi tu n'as pas encore trouvé une femme? Parce que je n'ai pas encore trouvé la perle rare, coach. C'est quoi la perle rare pour toi? Une femme qui aime réellement, pas pour de l'argent. Une femme qui t'aime réellement, pas pour de l'argent? Oui, coach. En 2022, là? Ok, d'accord. Alors, quand tu dis une femme qui m'aime réellement pas pour mon argent, qu'est-ce que tu veux dire par là? Sois plus explicite, s'il te plaît, parce que les caviars, oui. Oui, d'accord, coach. Mais une femme, en principe, une femme qui travaille, qui s'assume, hein. Même si je dois lui donner 2000 euros par mois, mais il faut que d'abord qu'elle-même, elle ait quelque chose en route. Ok, il faut que ce soit une femme qui travaille. Voilà. Femme qui travaille. Oui, coach. Ok. Faut qu'elle ait minimum 2000 euros par mois. Ah oui, parce que moi, je touche 12 500 euros. Tu touches 12 500 euros? Oui, je suis en pétrochimie, madame. Ok, donc tu touches 12 500... Voilà un beau profil, hein? 12 500 euros. Tu touches, tu touches 12 500 euros, tu vis en France, et tu veux une femme qui touche 2000 euros. Oui, coach. Alors, il faut qu'elle ait un enfant ou pas d'enfant? Moi, coach, mon choix, c'est vous, hein?
Ton choix, c'est moi. Oui, coach. Allez, comment ça? Ben, je suis un caviar, vous êtes un caviar, coach. Oui, mais tu as des goûts caviar, mais je suis mariée. Mais, coach, oui. On peut se débrouiller, non? Mais se débrouiller comment? Ah, si on peut se débrouiller à une femme qui est mariée. Mais, coach, la plupart de vos abonnés, là, ils sont mariés, mais ils cherchent encore à côté. Ah, moi, ça, je sais pas, je connais pas leur vie privée, hein. Moi, je connais pas leur vie privée. Moi, personnellement, je ne cherche pas à côté. Donc, ah, ce que les autres font, je ne sais pas. Même si tu dois vous donner 8 000 euros par mois, c'est vous que je veux, coach. Tu veux me donner 8 000 euros par mois? Oui, coach. Même une seule fois seulement. Même quoi? Même une seule fois seulement, coach. Oh, vraiment. Tu es perspicace, hein? Tu es perspicace. Écoute, je comprends pourquoi ça fait 6 ans que tu n'as pas encore refait ta vie. Parce que tu cherches toujours là où il ne faut pas chercher. Oui, ça c'est vrai aussi. Oui, tu cherches là où il ne faut pas chercher. Toi, tu aimes les femmes qui sont mariées. Pourquoi? C'est là-bas où c'est sucré, coach. C'est là-bas où c'est sucré. Oui, coach. Tu n'es pas, on dirait que tu n'es pas sérieux, hein? Si, coach, au contraire, coach. Au contraire. Bon, écoute, on suppose que moi, c'est pas la... moi, c'est pas possible. Tu vois, moi, c'est pas possible. Moi, tu peux pas. Bah, je suis marié, je peux pas. Coach, on sait jamais si vous voulez plus de votre mari. Vous pouvez m'appeler, ou bien. Hein? Gardez mon numéro, on sait jamais. Ou bien. Bon, à part moi, là, tu veux pas une autre femme? Non, personne d'autre, coach. Ah, Seigneur Jésus, vraiment. Ah, non. Vraiment. Mais on... coach, pourquoi vous riez? Vous êtes une belle femme, vous êtes du caviar, coach. Oui, mais je suis une belle femme, tu cherches du caviar, mais pas une femme qui est mariée quand même. J'ai des caviars célibataires qui sont très caviars, qui ont un oui, boulot. Coach, le mariage, c'est un contrat, coach. Ça peut finir demain ou après-demain, coach. Le mariage, c'est un contrat. Ça peut... Donc, tu souhaites que je divorce? Ah, si je veux réellement de vous, je vais prier tous les jours. Donc, papa caviar, il est en danger? Mais, coach, même toi-même. Il en mange, c'est pas seulement à cause de moi, coach. Il en mangeait tous les jours, coach. Il en mangeait tous les jours. Mais vous, faut vous regarder, coach. Est-ce que vous êtes n'importe qui, coach? Non. Pourquoi vous faites ça? Le monsieur, il est pourtant gentil, le monsieur. Il est gentil, sans problème. Hein? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pas la gentillesse. Tous les hommes qui ont perdu leur femme, tous étaient gentils, coach. Il n'y a pas que les mauvais dedans, coach. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. J'en ai vu dans ma vie, hein, mais celui-là, alors là, c'est du lourd. Hein. Écoute, coach, bon. Vous êtes succulente, coach. Coach, vous êtes très succulente, coach. Vous avez vu quand vous mettez le parfum, là, coach? Ça fait quoi? Ah, coach, je ressens les vibrations d'où je suis. Bon, écoute, il n'y a pas de souci, je vais te laisser parce que comme tu ne veux pas d'autres profils, parce qu'il y a des profils, il y a des caviars qui ont déjà appelé, qui ont un très bon profil. Ce ne sont pas les vrais caviars, c'est pas les vrais caviars. Moi, mais pourquoi tu dis que ce ne sont pas les vrais caviars? Ah, il y a une qui touche 3 500 euros. Coach, c'est vous qui avez créé caviar. Moi, je veux l'original. Tu veux l'original? Oui, coach, c'est vous l'original, coach. D'accord. Ok, donc j'ai ton numéro, je vais te faire signe. On ne sait jamais, Vinci, si t'écoute, vous m'appelez. D'accord. Merci. Oui. Ah, le monde part en couille. Le monde part en couille. Allô? Oui, allô, coach. C'est pour trouver l'amour. C'est pour trouver l'amour. Oui. Tu vis où? Ben, je suis à Bordeaux. Tu vis en France, à Bordeaux. Tu as quel âge? J'ai 37 ans. 37 ans. Ok. 37 ans, tu fais quoi dans la vie? Ben, j'ai une agence de voyage touristique, en fait, que je gère. Ok, tu es gérant d'une agence de voyage touristique, hein? Oui. Ok, agence de voyage, hein? De voyage. Alors, tu es le gérant, d'accord. Tu touches combien par mois? Ben, ça dépend, il y a des primes en plus. Ça varie entre 7 000 et plus. Tu touches 7 000 et plus par mois? Oui. Okay. Avec les primes, ça dépend. Avec les primes, ça dépend. Ok. Bon, on va mettre en moyenne 7 000 euros par mois. D'accord. Tu as des enfants? Non, je suis célibataire sans enfant. Mais la petite fille qui est avec toi, qui est sur ton profil là, c'est qui?
C'est ma nièce. C'est ta nièce, ok. Donc tu as 37 ans, tu n'as pas d'enfant, tu es célibataire. Pourquoi est-ce que tu es célibataire avec le profil que tu as? Tu as un très bon boulot, tu gagnes bien ta vie, tu es jeune. Pourquoi est-ce que tu es célibataire jusque-là? Ben, en fait, je ne suis pas puceau, j'ai eu des relations, mais ça n'a pas vraiment marché. Ça n'a pas vraiment marché, ok. Alors, quel est le profil que tu recherches aujourd'hui? Ben, je cherche une femme africaine. Une femme africaine, de quel âge à quel âge? Ben, de 30 à 40 ans, ça va. De 30 à 40 ans. Oui. Il faut qu'elle vive où? Ici en France ou bien partout? Elle peut vivre en France comme en Afrique, c'est pas un problème. Ok, c'est pas un problème. Donc tu es prêt, tu es ouvert à une relation à distance. Oui, avec mon domaine, c'est possible que je voyage beaucoup, donc c'est pas un problème. Ok, c'est pas un problème. Alors tu cherches une femme à Poutou ou bien une femme skinny? Ben, je préfère dire que ce soit à Poutou parce que j'ai un gros zizi. Combien de centimètres? Ben, j'ai fait une fois, je crois que c'est 18 à 20, hein, je crois, ça dépend. 18, 20, 20, 18 et puis 20 centimètres, bon, tu es normalo. Hein? Oui. Tu es normalo. Ah, ok, d'accord. Oui, toi, c'est normalo. Ok, donc ça veut dire qu'il faut qu'elle ait entre 30 ans et 40 ans. Il faut qu'elle soit travailleuse ou bien, même si elle ne travaille pas, ce n'est pas grave. Ben, si elle travaille, c'est bon. Si elle ne travaille pas, on la fera travailler, ce n'est pas grave. Ok, d'accord. D'accord, ok. Alors, côté câlin, parle-moi un peu de toi. Est-ce que tu es un homme assez qui aime beaucoup les câlins ou bien, bon, est-ce que le mougouli, tu aimes beaucoup ou bien, bon, parle un peu de toi dans l'intimité. Ben, je suis quelqu'un de peu calme. Je suis un peu timide. Oui. Et je n'aime pas trop de bruit et j'aime être au calme, en fait. D'accord, mais côté mougouli, tu veux une femme qui aime beaucoup le mougouli ou une femme qui, voilà, parce que ça aussi, ça compte, hein? Oui, bien sûr, je veux une femme qui n'est pas timide au lit, en fait. Si c'est au lit, je préfère une femme qui se lâche bien, en fait, il n'y a pas de problème. Ok, quand tu dis une femme qui se lâche, ça veut dire quoi? Tu aimes les femmes qui dominent ou bien tu aimes les femmes que tu domines? Ben, j'aime que ça change, que ça varie parfois. Ok, tu aimes qu'elle te domine et de temps en temps, toi aussi, tu la domines. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, quel est ton style vestimentaire? Ben, je suis très souvent en polo. En polo, oui. Oui, en blouson. Polo, blouson. Alors, tu fais 1 mètre combien? Je fais 1 mètre 80. 1 mètre 80, ouais. 1 mètre 80, ok. 1 mètre 80. D'accord. Alors, 1m80, est-ce que tu aimes les parfums? Moi, ouais, j'aime beaucoup. Ok. Beaucoup parfums, d'accord. Tu as une voiture ou bien tu es piéton? J'ai une voiture. Tu as une voiture? Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai tout le profil. J'ai tout le profil. Tu préfères une Bobraba. Et puis, si elle ne travaille pas, ce n'est pas grave. Et toi-même, tu fais 1m80. Oui. Tu fais 1m80. Alors, est-ce si tu tombes sur une femme qui a un enfant ou qui a des enfants, ça te dérange ou pas? Ben moi, ça ne me dérange pas parce que moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, ça ne me pose pas de problème. Si elle a un ou deux enfants, c'est bon, je crois. Un ou deux enfants, d'accord. Maximum deux, c'est ça? Oui, je crois. Ok. Un ou deux enfants. D'accord. Ok. Mon caviar, j'ai ton profil. Et s'il y a des caviars qui sont intéressés, elles vont appeler. Et puis après, tu me contactes sur WhatsApp, je vais vous mettre en contact. Mais c'est payant, hein? Pas de problème. Ok, ok. À tout à l'heure, mon caviar. Ok, je vous embrasse. Oui, bisous, bisous, oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson, ça. Allô? 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 Bon, comme tu ne veux pas parler, je vais couper. Voilà. Il y a trop d'appels, donc... Seigneur, pourquoi ça me fait ça? Allô? Allô? Allô, coach. Je vois l'amour. Allô?
je veux l'amour. Tu veux l'amour? Oui, ma coach. Tu es où et puis tu veux l'amour, là? Je suis aux États-Unis. Tu es aux États-Unis? Oui, coach. Ok. Tu as quel âge? 32. États-Unis, tu as 32 ans. 32 ans, ok. Y a pas de... Tu travailles? Oui. Ok, tu travailles dans quoi? Je suis infirmière. Tu es infirmière. Y a pas de problème. Tu touches combien par mois? 1500 par semaine. 1500 dollars par semaine. 1500 dollars par semaine. Par semaine. Tu as des enfants? Non. Ok, tu n'as pas d'enfants. Et pourquoi est-ce que tu es célibataire jusqu'à présent? Je viens de divorcer. Tu viens de divorcer. Pourquoi tu as divorcé, ma chérie? Mon mari était à Moussoungoulé. Hein? Mon mari était à Moussoungoulé. Ton mari était à Moussoungoulé? Oui, explique-nous, explique-nous un peu, ma chérie. Explique-nous un peu. Ton mari était à Moussoungoulé. Quand tu l'as marié, tu ne savais pas qu'il était à Moussoungoulé? Oui, coach. J'avais une fois appelé là. J'ai même pris rendez-vous avec vous, mais je n'ai pas arrivé à vous parler. Ah bon? Oui. Ok. Donc, ton mari, c'est après que tu as su qu'il était à Moussoungoulé? Oui, coach, je n'ai pas envie de parler de ça, coach. Tu n'as pas envie de parler de ça, c'est un mauvais souvenir. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Donc aujourd'hui, tu cherches un homme de quel âge à quel âge? De 30 à 40. De 30 à 40. De 30 à 40 ans. Ok. Faut qu'il soit travailleur ou bien s'il ne travaille pas, ce n'est pas un problème. Travailleur, coach. Ok. Faut qu'il gagne plus que toi ou moins que toi. Ça dépend. Ça dépend. Ça, c'est pas trop un problème pour toi, c'est ça? Ça va. Ok. Non, je veux qu'il travaille, c'est tout. Ok, tu veux qu'il travaille, c'est tout. Alors, tu veux un homme sans enfant ou avec enfant? Je préfère sans. Je sais pas, coach. Je veux l'enfant, c'est tout. Ok, même s'il a un enfant, c'est pas un. Non, mais ma chérie, parce que tout ça, ça compte aussi. Hein? Je veux un homme sérieux. Un homme sérieux, avec ou sans enfant, tu veux un homme sérieux? Je veux un homme célibataire, je veux pas un homme marié, non. Non, mais homme marié, même c'est qui... Un homme célibataire. Mais homme marié, même c'est qui peut pas venir sur mon profil ici pour chercher femme. Lui-même, il sait ça. Il sait ça, il est pas le raté. Ok, ma chérie. Alors, dis-moi un peu, quel est ton genre? Quel est ton style vestimentaire? Allô? Quel est ton style vestimentaire? Ma chérie, faut speeder, c'est trop mort. Je veux un homme de grande taille qui s'habille en jean et en polo. Je sais pas, qui s'habille bien. Non, il n'y a pas de ça. Il y a de toi-même, tu t'habilles comment? Quel est ton style vestimentaire? Oh, d'accord, ok. Moi, je m'habille, j'aime les robes, je m'habille en jean, t-shirt, oui. En bling jeep. Tout ça, ça me va. Ok. Une fille. Côté Mougouli, tu es plutôt une femme qui aime le Mougouli ou bien moyen? Je n'aime pas trop moyen parce que je suis circoncisée. Tu vois, ma coach. Parce que quoi? Je n'aime pas trop le Mougouli. Tu n'aimes pas trop le Mougouli, hein? Pas trop le Mougouli. D'accord, pas trop le Mougouli. Le Mougouli. Ok. Tu veux un homme normalo, fitininini ou bien anaconda? Quand je veux un homme normal, un homme qui est sérieux, Non, ma chérie, faut écouter s'il te plaît ce que je dis. Tu veux un homme qui est un bangala normalo, fitininini ou bien bobraba? Chose ou bien anaconda? Normal. Normalo, hein? Normalo. Oui. D'accord. Ok, ma chérie, il n'y a pas de souci. Tu me contactes après sur WhatsApp et puis s'il y a des intéressés, je vous mets en contact, mais c'est payant. Il n'y a pas de souci, coach. Ok, à tout à l'heure, ma chérie. Oui.
Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonjour, ma coach. Je veux trouver l'amour. Tu veux trouver l'amour? Oui, ma coach. Ma chérie, je ne sais pas où tu es, mais il y a trop de bruit, ça ne m'arrange pas. Je me déplace. Parce que c'est bon, ma coach. D'accord. Alors, parle-moi un peu de toi. Tu as quel âge? J'ai 29 ans. 29 ans, tu habites où? Bon, je suis à Abidjan, je suis aux deux plateaux. 29 ans, tu es aux deux plateaux, Abidjan. Oui. Ok. Tu travailles dans quoi? Je suis caissière dans un restaurant. Caissière, ok. Ok, caissière. Tu gagnes combien par mois? 150 000 par mois. 150 000 par mois. Ok. Alors, tu cherches un homme de quel âge? Un homme de 35 à 40 ans. 35, 40 ans. 35, 40 ans. Il faut qu'il soit travailleur ou même s'il chôme, ce n'est pas un problème. Non, non, travailleur. 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 Ok. Alors, quel est le style d'homme tu cherches? Un homme court, un homme grand ou bien il n'y a pas de problème? Toi, la taille, ce n'est pas un problème pour toi. Bon, un homme grand. Un homme grand. Bon, un homme grand, mais ce n'est pas une obligation. Hein? Oui, oui, ce n'est pas une obligation. Ok, ce n'est pas une obligation. Alors, tu veux normalo, fitininini ou anaconda? Normalo. Normalo, hein? Normalo, ma coach, oui, ma coach. Normalo. Alors, est-ce que tu sais faire à manger? Oui, je sais faire à manger, je suis baoulée, donc je sais faire à manger. D'accord. Côté Mougouli, est-ce que tu es plutôt chaude ou bien, bon, non, moyen, moyen? Moyen, 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 moyen. Moyen, moyen, ok. Oui, deux, trois fois par semaine, c'est bon. Ok, deux, trois fois par semaine, hein? Mm-hmm. Trois fois par semaine. Mm-hmm. Ok. Tu es clitoridienne ou même vaginale ou bien fontaine? Je suis clitoridienne. Tu es clitoridienne? Ok. C'est ça. Ok. Ok, il n'y a pas de souci, ma chérie. Ok, il n'y a pas de souci, ma chérie. Tu me contactes après sur WhatsApp. S'il y a un intéressé, je vous mets en contact. Mais c'est payant, hein? D'accord. Au revoir, ma chérie. Oui. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach. Je veux trouver l'amour. Tu veux trouver l'amour? Tu as quel âge? 34. 34 ans. Tu as combien d'enfants? Oui. Zéro. Zéro enfant, ok. Tu travailles dans quoi, ma chérie? Je fais la cuisine marocaine. Tu es cuisinière? Oui. Ok. Tu gagnes combien par mois? Ma chérie, il faut diminuer ma voix, sinon je prends un autre appel. Diminue ma voix. D'accord, c'est fait. Ok, tu gagnes... Je gagne 4000 dirhams. Ici, c'est en dirhams, 4000. Tu appelles d'où? Du Maroc. Maroc, ok. Alors, 4000 dirhams par mois, ok. Ok, tu cherches un homme de quel âge à quel âge? De 37 à 43 ans. 37 à 43 ans. Toi-même, tu as quel âge? 34. Homme, 37 à 43 ans. 35 à 43. Ok, 35, 43. Ok, alors tu cherches un homme qui travaille ou c'est pas important? Non, un homme qui travaille. Un homme qui travaille. Homme travailleur. Haïti. Tu veux un haïtien? Oui. D'accord. Ok, haïtien. D'accord. Donc, toi, c'est un haïtien que tu veux. Un haïtien travailleur. Alors, tu n'as pas d'enfant. Tu préfères un homme qui a normalo, anaconda ou bien fitininini? Normalo. Normalo, hein? Mais dis donc, vous aimez beaucoup les normalo, hein? Normalo, ok. Alors, tu es quel genre de femme côté Mougouli? Est-ce que tu es chaude ou bien, bon, le Mougouli, c'est, bon, moyen, moyen? Moi, je suis très chaude. Tu es très chaude, hein? C'est-à-dire la fréquence, combien de fois par semaine? 4 à 5 fois, c'est bon. 4 à 5 fois par semaine, c'est bon? Oui. Ok. En tout cas, si tu tombes sur un haïtien, tu vas être servi, hein? Oui. Alors, 4 à 5 fois.
Ok. Tu es clitoridienne, vaginale ou bien fontaine? Ça, je ne maîtrise pas, coach. Ça veut dire que quand tu mougoues, qu'est-ce qu'on te touche là? Qu'est-ce que c'est? Ou quand tu te sens bien, tu ressens le goût là? C'est quand on touche à ton clic-clic? Ou bien quand on te pénètre? Ou bien comment tu es? La pénétration. Ok, donc tu es vaginale. Ok, ma chérie. Alors, je n'ai pas ton numéro. Ouh, j'ai pris les autres là sans prendre leur numéro. Mince! Les trois. Donc, je vais t'envoyer sur WhatsApp. Non, c'est bon, ma chérie. Je vois ton numéro, je vais prendre. Faut pas dire. D'accord. Ouais. Attends, ton numéro, ton WhatsApp, c'est... Oui. Attends, ma chérie, je sais. Je vois. Ok, ma chérie, il n'y a pas de souci. Donc, tu me contactes après sur WhatsApp. S'il y a un intéressé, je vous mets en contact. Mais c'est payant, hein? C'est compris, ma coach. Ok, merci. Au revoir, ma chérie. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. La jonction, c'est ça. Allô? Allô, ma coach, bonjour. Allô? Allô, coach, bonjour. Ma chérie, quand je dis allô, il y a une réponse qu'on donne. Il faut regarder, après tu rappelles. Allô? Oui, allô, bonjour, coach. Allô? Allô, coach, c'est pas pour... Allô, coach. Oui? Bon, ma chérie, il faut regarder le direct. Tu vas voir quand je dis allô, c'est ce qu'on doit dire. Voilà, quand je dis allô, il y a ce qu'on doit dire et puis je vous prends. Donc, il faut suivre le direct. Allô? Allô, bonjour, ma coach. Allô? Oui, allô, bonjour, ma coach. Oui. Oui, en fait, je suis à la recherche d'un amour. Ok, tu as quel âge? 27 ans. 27 ans, ok. 27 oui. ans. Tu appelles d'où? Paris. Paris, hein? Oui. D'accord. Tu travailles dans quoi? La pâtisserie. La pâtisserie. Oui. Ok, attends. Hein. Je prends ton numéro. Ok, là, tu es pâtissier. Tu touches combien par mois? 2300. Pâtissier, 2300 par mois. 2300 par mois. Tu travailles de quelle heure à quelle heure? Je travaille de 5h à 13h. De 5h à 13h, ok. Oui. D'accord. Tu recherches une femme. Quel est le genre de femme que tu cherches? Tu recherches? Le plus important, c'est la maturité. Le plus important, c'est la maturité. Donc, ça veut dire que tu n'as pas d'âge, hein? Toi, à n'importe quel âge, non. Ça t'arrange. Oui, oui. Même une femme de 50 ans, 60 ans, ça t'arrange? Non, maximum 30. Maximum 30. Donc, c'est pour ça que je demande de quel âge à quel âge? Ah, ok, bon, maximum 30. Peu importe, mais maximum 30. Ok, donc de 20 à 30 ans. D'accord, de 20 à 30 ans. Ok. Alors, tu cherches une femme à Bobraba ou bien Skinny? Non, peu importe. Peu importe, hein? Oui, oui. D'accord. Alors, tu as un enfant, tu as des enfants? Non, sans enfant. Sans enfant, ok. Oui. Alors, la femme que tu recherches, il faut qu'elle soit forcément en France ou elle peut être dans n'importe quel pays? Non, France. En Europe. Il faut qu'elle soit en Europe? Oui. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc là, d'accord. Alors, quelle est dans l'intimité? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui aime beaucoup le mougli ou bien moyen? Ouais, qui aime beaucoup, ouais. Tu aimes beaucoup, tu aimes faire combien de coups par jour? 3 à 4. 3 à 4 coups, 4 coups par jour? Ouais. Oui, donc elle ne travaille pas. Ah. Ok, bah de toute façon, il y a des femmes qui aiment ça, donc il n'y a pas de problème. Donc 3 à 4 fois par jour, hein? Ouais. D'accord, tu es plutôt quelqu'un, tu aimes les femmes qui dominent ou bien toi tu aimes dominer? Non, peu importe, moi je suis très fort. Ok, tu es très quoi? Ouais, très fort. Très fort, ok, donc qu'elle te domine ou pas, toi tout arrange tant que vous enjaillez. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Donc tu me contactes après via WhatsApp, comme ça s'il y a des caviars qui sont intéressés, je vous mets en contact, mais c'est payant, hein? D'accord, pas de soucis.
Mais oh. Prenez mon numéro déjà comme ça. J'ai déjà pris ton numéro, j'ai noté. Ok, merci. J'ai noté ton numéro, oui. Okay. À tout à l'heure, oui. Ah non, mais cette rubrique, la jouissance de ça, la jouissance, le succès de ça. Oh mon Dieu, j'adore cette rubrique. Allô? Allô? Bonsoir, ma coach. Allô? Oui, bonsoir, ma coach. Quand vous appelez, laissez bonsoir, là, dites directement ce qu'il faut. Allô? 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 Parlez directement, il y a un cri de guerre, s'il vous plaît. Vous suivez le direct. Quand vous appelez, que je prends, vous dites c'est pour trouver l'amour, s'il vous plaît. Allô? Coach, c'est pour trouver l'amour. Ok, ma chérie, il faut ouvrir ton gosier. Tu as quel âge? 34. 34 ans, tu vis où? Dubaï. Faut diminuer ma voix, ma chérie, s'il te plaît. Diminue ma voix, s'il te plaît. À Dubaï. Ok. 34 ans, Dubaï. J'arrive à Dubaï bientôt. J'espère que tu viendras me voir, ma caviar. Bien sûr, ma coach. Ok. Alors, tu travailles dans quoi? Management. Hein? Dans le management d'entreprise. Dans le management. Oui. Ok, management. Ok. Tu as des enfants? Non, pas d'enfants. Pas d'enfants. Ok. Tu touches combien par mois, ma chérie? Plus. Plus, ça veut dire. Dis le salaire, ma chérie, c'est important. Tu touches combien par mois? On va dire plus de 10. On va dire plus de 10. Hein? On va dire plus de 10. Plus de 10 000 euros. Mm-hmm. Ok. Plus de 10 000 euros. Ok, tu recherches un homme, quel genre d'homme? De quel âge à quel âge? Dis-moi un peu tes critères. De 35 à, on va dire, 45 ans. De 35 à 45 ans. Mm-hmm. Faut qu'il habite à Dubaï ou bien il peut être dans n'importe quel pays. Non, il peut être à Paris. Faut qu'il soit en France. Oui, en France, mais à Paris, pas en province parce que ce serait compliqué. Paris. Ok, donc il faut qu'il soit à Paris précisément. C'est ça. D'accord. Paris précisément. Tu n'as pas d'enfant, ma chérie. Pas d'enfant. Ok. Tu cherches un homme qui travaille ou bien même s'il ne travaille pas, ce n'est pas un problème. Non, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille. Il faut qu'il touche plus que toi ou moins que toi, ça ne dérange pas. Bien sûr, plus. Il n'a qu'à toucher plus de 10 000 euros. Mm-hmm. Et s'il touche moins que ça? Non. Ok. Mais ça existe, ma coach, hein? Si, ça existe, je sais. Mais ça rend les chances... Ça réduit beaucoup la chance, c'est pour ça que je dis ça. Mmh. OK. Mmh. Plus de 10 000 euros. Donc, il faut qu'il soit grand de taille, court, ou bien c'est pas un problème, les tailles? Préférence grand, mais après, s'il est petit, c'est pas grave. OK, grand de taille. Préférence grand. Mmh. OK. Alors, tu préfères normalo, fitininini, ou bien anaconda? Normalo, hein. D'accord, ma chérie. D'accord. Attends, je prends ton numéro parce que ça, j'ai oublié de prendre les deux. Attends, je prends ton numéro. Mm-hmm. C'est ton WhatsApp, hein? Oui. Tu peux m'écrire sur WhatsApp, là. Ok. Ah, le téléphone crépite. Mon Dieu. D'accord, ma caviar. Donc, tu me contactes tout à l'heure sur WhatsApp et puis on va voir s'il y a des intéressés. Je vous mets en contact. Mais c'est payant, ma caviar. Ça, c'est pas un problème. Tu as une caviar. Oui, parce que plus de, quelqu'un qui touche plus de 12 000, 10 000 euros, je ne sais pas pourquoi il lui parler de ses payants. Eh, mais c'est une évidence. Oui, c'est la facture. Merci, ma caviar. À tout à l'heure, ma caviar. Merci. Oui.
Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach. Allô? Oui, ma coach, je vais trouver l'amour. Oh, ne faut pas quitter, je vais prendre, il n'y a plus de place, je vais prendre une autre feuille. Faut pas quitter. Ok. Oh, ma chérie, tu appelles d'où? Je suis au Sénégal, ma coach. Tu es au Sénégal, tu as quel âge? J'ai 25 ans. Sénégal, là? 25 ans. Ok, tu travailles dans quoi? Je suis étudiante, ma coach, mais je fais mes petits business à côté. Ok, étudiante, d'accord. Ok. Tu recherches un homme de quel âge à quel âge? De 28 ans à 40 ans. De 28 à 40 ans. 28 ans? Oui, ma coach. 40 ans. Ok. Faut qu'il soit travailleur ou il faut que. Bon. Il faut qu'il soit travailleur ou il peut être chômeur. Il faut qu'il soit travailleur, ma coach. Il faut qu'il soit travailleur. Oui. D'accord. Il doit vivre au Sénégal ou bien il peut vivre dans n'importe quel pays? Dans n'importe quel pays, même en Europe, aux États-Unis, en Afrique, peu importe. Bon, mais tu préfères où, ma chérie? Je préfère en Europe. Ma voilà, coach. J'ai senti ça dans ton regard. Tu préfères l'Europe, hein? Oui, ma coach. C'est ça, tu as vu, je t'ai senti, hein, je t'ai senti. Ok, plutôt en Europe. Oui, ma coach. Ok. Plutôt en Europe. Après. Donc, il faut qu'il soit travailleur et il faut qu'il ait entre 28 et 40 ans. Alors, tu préfères les hommes grands de taille ou petits de taille ou ça, c'est pas un problème pour toi? Ça, c'est pas un problème pour moi, ma coach. Moi-même, je suis déjà de petite taille. D'accord. Ok, y a pas de souci. Alors, tu aimes les normalos? Anaconda ou Fitininini? Normalo, ma coach. Normalo. Ben, dis donc, vous aimez les normalo, hein? Oui. Ok, normalo. Alors, tu sais faire à manger? Oui, ma coach, oui, je sais faire à manger. Est-ce que tu es une femme, qui respecte? Est-ce que tu es une femme soumise ou tu es une femme très têtue? Quelle est la femme que tu es? Moi, je suis une femme soumise, adorable. Mm-hmm. Je prends soin de mon mari, quoi. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Attends, je prends ton numéro. Ok, d'accord. Merci, ma coach. Oui, attends, faut pas couper. Sinon, le numéro, je ne verrai pas. Reste en ligne. Ok. Ouais, je prends le numéro. Ah, Seigneur, le téléphone crépite juste quand il ne peut pas prendre le numéro, là. Oh, Seigneur. 221. Eh, pardon, pourquoi je récite? Ouh, je ne peux même pas prendre le numéro de la caviar. Mon Dieu, on peut faire ça? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok, ma chérie, tu me contactes après sur WhatsApp. Ok, d'accord. C'est payant, hein, ma chérie, c'est payant. Ok, c'est pas un problème. Ok, il n'y a pas de problème. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonjour coach. C'est pour trouver l'amour. C'est pour trouver l'amour. Tu appelles d'où? En fait, j'appelle de Paris. Paris, hein? Tu as quel âge? En fait, tu n'appelles pas pour moi, je ne sais pas si c'est possible. Non, non, non. Non, ma chérie. La personne qui appelle, c'est pour elle-même, pas pour quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Ok, merci alors. Oui, désolée, ma chérie. Déjà, il y a tellement d'appels, s'il faut appeler pour quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Ah non, le téléphone crée. Allô? Allô, ma coach. Je veux trouver l'amour. Tu vas trouver l'amour? Oui, je vais parler en anglais. Non, ma chérie, s'il te plaît.
Oh, ma chérie, est-ce que tu, ma chérie, est-ce que tu as ta gamme de chez Skin Technology by Latania? Est-ce que tu as pris ta gamme? Non. Ok, je veux trouver l'amour, j'appelle. Attends, ma chérie, tu appelles pour trouver l'amour, faut te calmer, je vais faire ma pub. Donc, normalement, je t'ai posé la question, est-ce que tu as pris ta gamme chez Skin Technology by Latania? Tu devais dire oui. Mais bon, c'est pas grave. Ok, oui, ma chérie. Oui, tu as pris la gamme, hein. Ok. Alors, mes caviar, je vous présente les deux crèmes de chez Skin Technology by Latania. Avec le sérum anti-âge. Ça, c'est pour la nuit. Ça, c'est le sérum que tu appliques matin et soir. Et ça, c'est pour le soir. Oui, Skin Technology by Latania. Toute la gamme pour votre peau. Hein. Si vous avez besoin de quel que soit ce que vous avez, la peau que vous avez, le teint que vous voulez avoir, vous contactez Skin Technology by Latania. Vous faites le plus 1 312 934 81 30. Je répète, plus 1 312 934-81-30. Skin Technology by Latania. Oui, alors ma chérie, parle. Ah, je suis aux États-Unis, je veux trouver l'amour et j'ai 34 ans. Tu as 34 ans? Téléphone. Ma chérie, tu as quel âge? Je suis 34. 34? Yes. 34? Yes. 34 ans, 34. Ok. Je suis designer. Tu es designer? Oui. Je fais les habits. Designer. Ok, ma chérie. Tu gagnes combien par mois? Par mois, je peux faire $15,000. Par mois, tu peux faire combien? $15,000. Ça veut dire que... $15,000. 15? Yes. Ok, donc 15. C'est 4 000? Non, c'est pas 4 000 euros. C'est 10 000 euros. Tu fais 10 000 euros par mois? Oui, pour cours et parce que j'ai fait l'autre chose. Ok. Tout à juste, peut-être c'était à 12 000 euros. Ok, mois. Donc dans le design? Tu fais 10 000 euros par mois. Maintenant, dans autre chose, tu fais combien? 3 000 dollars. Oui. Ok, donc tu à la fin du mois, tu touches 13 000 dollars. Oui. Ok, ma chérie. Tu as combien d'enfants? Pas encore. Pas d'enfants. Pourquoi tu es célibataire jusqu'à présent avec tout ce que tu gagnes? Je suis divorcée. Tu viens de divorcer? Oui, ma coach. Pourquoi tu as divorcé? Parce que mes tapes. Parce qu'il est violent? Parce que, oui. D'accord. Ok, ma chérie, je comprends. Ok, je prends ton numéro. Ah, Seigneur, téléphone peut crépiter comme ça? Mon Dieu! Téléphone peut crépiter comme ça? Ok, donc tu n'as pas d'enfant, tu cherches un homme qui est aux États-Unis ou bien partout dans le monde? Aux États-Unis, au Canada. Il n'a qu'à être au Canada? Oui. Ok. Tu veux qu'il gagne plus que toi ou bien s'il travaille, c'est ça le plus important? Il faut qu'il travaille, mais respecte comme la femme. Il faut qu'il soit un homme. Il faut qu'il soit un homme? Oui. Ok. Respectueux. Oui. Ok. Alors, est-ce que s'il a des enfants, ça te dérange? Non, pas de problème. Pas de problème, d'accord. Oui. Ok, il n'y a pas de souci, ma chérie. Donc, ok. Alors, tu as une femme qui est chaude ou bien le mougouli? Tu aimes beaucoup le mougouli ou bien un peu? Non, un peu. Un peu? Oui. Tu aimes les anacondas, fitininini ou bien chose normalo? Normalement. Normalo. Mm-hmm. D'accord, ma chérie. Alors, tu me contactes après sur WhatsApp. S'il y a des intéressés, je vous mets en contact. C'est payant, hein? Oui, ma coach, pas de problème. Je vous l'aime trop. Oh, merci. Bon, thank you. À tout à l'heure. Ou à tout à l'heure, oui. Ah là 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 là, la crépitance de ça.
Oh mon Dieu, non, mais je dis, le succès de ça, je sais plus. Ouh, mes amours, cette magnifique perruque est de chez Planète Extension. Cette magnifique perruque est de chez Planète Extension. J'ai épinglé le lien du site. Vous cliquez sur le lien, vous allez directement sur le site. Planète Extension. Allô? Allô, bonjour. Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Allô? Allô, je veux trouver l'amour. Oui, mais ma chérie, si tu parles comme ça, ça ne va pas le faire. Là, c'est trop mort, là. Ah bon? Oui, il faut ouvrir le gosier, sinon ça... Je t'appuie fort. Alors, j'ai 43 ans, j'habite en France. Oui, ma chérie, il faut doser le choco, pardon. Ah, vraiment, ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas le faire. Dose le choco, tu as 43 ans. Je ne choque pas, ma coach. Mais tu ne choques pas, ce que tu fais là. Tu as 43 ans. Oui, c'est 43 ça. Ans, tu vis en France. C'est ça. En France. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans l'informatique. Tu travailles informaticienne. Informaticienne. Tu gagnes combien par mois? 2500. Combien? 2500 euros. 2500 euros. Ok, tu as des enfants? Oui. Combien? Deux. Deux enfants, ils ont quel âge? 20 ans, 16 ans. Ah, ils sont grands, 16 ans, ok. D'accord. Tu cherches quel genre d'homme? De quel âge à quel âge? 45 à 50. 45, 60. Faut qu'il soit travailleur? Ah oui. Non, il te demande, ma chérie. Faut qu'il gagne plus que toi ou moins que toi, ça ne dérange pas? Au moins autant que moi. Au moins autant que toi, ok. Donc... D'accord, il n'y a pas de souci. Ma chérie, tu es plutôt chaude ou bien normalo, moins. Normal, c'est-à-dire combien de fois par semaine? Oh, ma coach, deux fois, c'est bien. Deux fois, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu es clitoridienne, vaginale? Vaginale, ok. Alors, tu veux un normalo, anaconda ou bien fitinini? Normalo, ma coach. Normalo, d'accord. Ok, ma caviar. Ouh, j'ai pas pris ton numéro en plus. Attends, il faut que je prenne ton numéro. Attends. Hey, téléphone là sonne tellement. Ok, je prends ton numéro. D'accord, ma caviar. Donc, on se contacte après sur WhatsApp. S'il y a des intéressés, je vous mets en contact. C'est payant, hein? D'accord. Ok, à tout à l'heure, ma caviar. Oui. Allô? Allô, coach. Et pour trouver l'amour. Ok, tu appelles d'où? J'appelle de Canada. Tu appelles du Canada, hein? Oui. Ok, Canada. Tu as quel âge? Oh, j'ai 35 ans. 35 ans. Tu as combien d'enfants? J'ai deux enfants. Deux enfants. Deux enfants. Ok, tu travailles dans quoi? En ressources humaines. Ressources humaines. D'accord, tu gagnes combien par mois? Je gagne à peu près 2500 euros par mois. 2500 euros, ok. D'accord. Tu cherches un homme de quel âge à quel âge? Je cherche un homme aux environs de 34 à 40, de 35 à 45. 35 à 45, hein? Il faut qu'il soit travailleur, il faut qu'il gagne plus que toi ou bien ça, c'est pas un problème pour toi? Il faut qu'il gagne plus que moi. D'accord. D'accord, ma chérie. Donc, tu as deux enfants. Alors, cet homme, s'il a des enfants, ça ne dérange pas? Une famille recomposée? Non, ça ne me dérange pas. Ok, ma chérie. Alors, tu les aimes normalo, fitininini ou bien anaconda? Normalo. Normalo, oui. Ok, ma chérie. Donc, je vais prendre ton numéro. Attends. Il faut qu'il se
soit au Canada ou... Ah, il faut qu'il soit au Canada, hein? Ou aux États-Unis, ouais. Au Canada ou aux États-Unis, il faut qu'il soit... Qu'il soit au Canada ou États-Unis. Alors, je vais prendre ton numéro. D'accord, Macavia. Donc, on se contacte après sur WhatsApp. S'il y a des intéressés, je te fais signe pour que je puisse vous mettre en contact. C'est payé à Macavia, hein? Oui, d'accord. Ok, à tout à l'heure. Oui. À tout à l'heure. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson, de ça. Oh, mon Dieu, j'adore cette rubrique. J'adore, oh, je coach. Kiffe. Allô? Je vais trouver l'amour, coach. Tu vas trouver l'amour, tu as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. 24 ans. Tu appelles d'où? D'Angleterre. Angleterre. Ok, tu travailles dans quoi? Je suis nurse. Tu es quoi? Infirmière, nurse. Infirmière. D'accord, tu gagnes combien par mois? 3000 livres sterling. 3000? Livre sterling. Ça revient à combien d'euros comme ça? C'est beaucoup parce que le livre sterling, il est beaucoup. Plus. Oui, oui, il est beaucoup. Donc, on va dire 4 000, 5 000 euros. Yeah, yeah. 5 000 euros, ok. Tu as combien d'enfants? Pas d'enfants. Pas d'enfants. Tu recherches un homme. Quel est l'homme que tu recherches? Je recherche d'abord un homme sérieux. Oui. Un homme qui ne va pas courir dans tous les caleçons. D'accord. Je sais, un homme intelligent. Oui. Mince, grande taille. Oui. Bien noir, surtout bien noir. Parce que j'aime pas la tchatchoukan. Bien noir. Mm-hmm. J'ai déjà ma maison que j'ai construite à moi dans mon pays d'origine. Oui. Donc, ce n'est pas un problème. S'il travaille un peu, même s'il ne gagne pas beaucoup, moi, je ne vais pas imposer une somme. Même si ce n'est pas beaucoup, qu'il gagne un peu. Mm-hmm. Et que c'est un peu-là, il veut qu'on construise à deux quelque chose. Moi, je suis prête. D'accord. C'est tout. OK. OK, ma chérie. Donc, tu cherches un homme de quel âge à quel âge? Un homme de 27, disons, oui. Parce que j'ai 24. Oui. De 27 à 30, 38, 40, 40 à la limite. Parce que je ne veux pas un vieux non plus. D'accord. Alors, tu aimes la Normalo, Anaconda ou Fitininini? Normalo, bien sûr. Ah, Normalo, Anaconda. Hein? Anaconda, il y a la moi là-bas. Ah, ça. Vous toutes, vous dites Normalo, mais pourtant, c'est Anaconda, vous aimez. Pourquoi vous faites ça? Pardon. Anaconda, on lui donne beaucoup de main. On n'a pas bien profité. Ça ne donne pas bien le goût. Hey! Ok, ma chérie, il n'y a pas de souci. Attends, je prends ton numéro. Je n'ai pas pris ton numéro. Eh hey, Seigneur, je ne peux pas prendre le numéro tellement que les caviar appellent. Sinon, si c'est à côté Mougouli aussi, là, faut pas t'inquiéter, quoi. Je ne peux même pas demander. Moi, mais j'aime ça même. Tu aimes ça? Non, là. Oh, on n'a qu'à laisser ça, on n'a qu'à rouler. D'accord. Attends, faut pas couper. Hein. Je vais prendre ton numéro. Ah, non, le téléphone crépite trop. Yee, Seigneur. Le succès de ça. La Johnson de ça. La Johnson de ça. La Kelefe. C'est quoi ça? Après toi, il n'y a pas... C'est virage. Oui. Après moi, c'est virage. Ok, ma chérie. Donc, on se contacte après sur WhatsApp. S'il y a des intéressés, okay. Je vous mets en contact. Mais c'est payant, hein? Ok, ma coach, pas de soucis. Ok, oui. C'est important de le préciser. Allô? Allô, je cherche l'amour. Tu cherches l'amour? Tu appelles d'où? Ma chérie, ta voix ne sort pas, ça ne m'arrange pas. Pardon? Bon, tu n'es pas encore prête. Allô? Allô, ma coach? Allô? Je peux trouver l'amour, ma coach. Tu appelles d'où? Bon, ma chérie, je ne sais pas où tu es, ça ne m'arrange pas.
Allô? Allô? Ah là là là, tellement qu'on appelle, il y a accident d'appel, accident d'appel, accident d'appel. Allô? Allô? Allô, ma pote? Allô? De l'amour. Ok, tu appelles d'où? J'appelle du Sénégal. Sénégal, d'accord. Tu as quel âge? J'ai 24 ans, coach. 24 ans. Tu travailles dans quoi? Je travaille pas, coach. Je suis étudiante et je fais des petits boulots dans les centres d'appel. Étudiante. Oui. D'accord. Quel est l'homme que tu recherches? Je recherche un homme sérieux, hein, coach. D'accord. Travailleur? Oui. Comment, coach? Un homme qui travaille ou chômeur? Qui travaille, coach? Bien sûr, qui travaille, oui. De quel âge à quel âge? De 30 ans à 50 ans, coach. De 30 ans à 50 ans. Ah. Alors, tu le veux où? Au Sénégal ou partout? Où tu as un endroit que tu préfères? Non, non, partout, ma coach. Partout. Sauf au Congo, partout. Partout sauf le Congo? Oui, oui. Mais pourquoi pas le Congo? Ah, le Congo là-bas, c'est compliqué, ma coach. Pourquoi c'est compliqué? Tu as déjà eu une expérience avec un Congolais? Non, mais déjà, ma coach, ça n'a pas tourné bien, donc je ne veux pas là-bas, au fait. Ok, tu veux plus de Congolais, hein? Non, 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 ma coach. Non. Mais tu sais, tous les Congolais ne sont pas pareils. Peut-être que tu es tombé sur un faux, mais peut-être que tu vas tomber sur un Congolais qui est bien. Bon, de toutes les façons, on ne sait pas, hein, coach, on ne sait pas, mais bon. Ok. Alors, donc, un homme de 30 à 50 ans qui vit partout, hein, tu es prête à, pour une relation à distance, ça ne te dérange pas. Et cet homme, s'il a des enfants, ça ne te dérange pas? S'il a des enfants, il peut avoir deux, ça me va, hein, un, ça me va, mais pas trois enfants. Deux maximum. C'est toi sur ton profil, là? Oui, oui, ma coach. Eh bien, dis donc, tu es une bombe, hein? Merci, ma coach. Tu es une bombe, hein, mon Dieu. Wouh! Merci, c'est l'homme ou même c'est génie? Pardon, ma coach? J'ai dit c'est l'homme ou même c'est génie, on peut être belle comme ça? Oh, ma coach, je tiens fort, merci. Ouf! Ah, merci, Naradef, ma Naradef. Merci, ma coach. Oui. D'accord, ma chérie. Alors, tu aimes Anaconda, Normalo ou Fitinini? Anaconda, ma coach. Anaconda, Depuis, on a commencé, là, voilà une maintenant qui est vraie. Anaconda, oui. Anaconda, c'est plus bon, Anaconda, coach. D'accord. Alors, ta fréquence... Là, ça... Oui. Comment, ma coach? Oui. Alors, ta fréquence, tu aimes beaucoup le mougouli ou bien un peu? Un peu, ma coach. Un peu, d'accord. Wow. Un peu. D'accord, ma chérie. Ok, ma coach. Ok. Donc, tu vas rentrer dans mon inbox. S'il y a des intéressés, je vais vous mettre en contact. Mais c'est payant, hein? D'accord, ma coach. Oui, d'accord. Merci beaucoup, ma coach. Au revoir, ma chérie. Bisous. Oh. Bisous, oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Au passage, je fais un big up à ma personne, à mon handbag, Docteur Kodom. Bisous là-bas. Mouah. Bonne fête. Allô? Allô, ma coach. Allô? Allô, ma coach. Allô, quand on appelle, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Je cherche l'amour, ma coach. Ok, tu appelles d'où? J'appelle du Canada. Canada, ok. D'accord, tu as quel âge? J'ai 36 ans. 36 ans. Tu as combien d'enfants? Je n'en ai pas, ma coach. Ok, pas d'enfants. Tu travailles dans quoi, ma chérie? La politique. Tu es politicienne? Oui. Ok, politicienne. Tu touches combien d'euros par... Combien par mois? $7,000. $7,000 par mois? Oui. $7,000 par mois. Ok, tu as combien... Tu n'as pas d'enfant? Alors, quel est l'homme que tu recherches, ma chérie?
Je recherche un homme qui a d'abord les caractéristiques d'un leader, qui ne se sentira pas intimidé par qui je suis. D'accord. Donc, un homme qui a confiance en lui. C'est ça. Mm-hmm. D'accord, ma chérie. Oui. Alors, de quel âge à quel âge? 35 à 43 ans. 35, 43 ans. Hein? Oui. Eh non, tellement que le téléphone sonne, je ne peux même pas prendre le numéro. Tchao! Non, je crois que cette rubrique-là, on va beaucoup la faire. Hein? On va beaucoup la faire. Elle a du succès. La KLMP. Oui, c'est quoi ça y est. Alors, donc, tu veux un homme de quel âge à quel âge? De 35 à 43 ans. 35, 43 ans. Oui. Il faut qu'il soit travailleur, n'est-ce pas? Oui, travailleur. Et qu'il aime la communauté. Qu'il aime rendre service à sa communauté. Un homme qui est généreux. Oui. Ok, un homme généreux. Alors, pas forcément un homme de ta nationalité, hein? Un homme un homme de toute nationalité, ça te va? Oui, ma coach, mais je vais rejoindre la caviar qui a appelé tout à l'heure. J'aime les Congolais, mais je ne voudrais plus d'un Congolais. Tu veux pas d'un Congolais? Non. Donc, tout sauf Congolais, hein? Oui, s'il vous plaît. Tout sauf Congolais. Hii, non. Ah, ça, c'est pas le monsieur là qui a gâté le nom des Congolais comme ça. On peut, c'est quoi ça? Oh! J'avais rencontré qui était très bien, mais franchement, non, plus de Congolais, ma coach. Hii, non, vraiment, ça, c'est dommage, ça. Alors, un homme généreux, un homme travailleur. Alors, qui touche plus que toi ou bien c'est pas important? À partir de ce que je touche, il peut même toucher moins de 7 000, c'est-à-dire entre 5 000 et plus. Ça te dérange pas? Ça ne me dérange pas. Okay. On peut construire ensemble. D'accord. Alors, tu veux un homme avec enfant ou pas d'enfant? Je dirais pas d'enfant, coach. Ma chérie... Parce que je n'ai pas l'expérience. Je ne sais pas comment m'en prendre. Oui, ma chérie... Avec un enfant, je ne sais pas. Oui, oui, mais ma chérie, tu as plus de 35 ans. Pas d'enfant, ça va être un peu... Les chances seront un peu réduites, hein? C'est vrai. Oui, donc, pas enfant ou pas enfant, il ne faut pas être exigeante à ce niveau-là. D'accord. D'accord? D'accord. Ok, si tu as eu un qui n'a pas d'enfant, tant mieux. Mais si tu as eu un qui est enfant, mais qui se comporte bien, il n'y a pas de souci. Tu lui laisses son rôle de père, tu te mêles pas de ce qui ne te regarde pas et tu te concentres sur vous deux, ça devrait aller, hein? C'est ça. Oui. D'accord, ma caviar. Donc, j'ai pris... attends, j'ai pas pris ton... Est-ce que j'ai pris son numéro? Non, j'ai pas pris ton numéro. Attends, j'écris ton numéro, mais ma caviar. Je n'avais pas demandé pour Anaconda et puis normalement. Oui, oui, ma chérie. Tu les aimes. Tu les aimes grand. Tu les aimes grand ou court? Non, t'inquiète pas. Je n'ai pas fini, ma caviar. Grand. Mais grand. J'ai pas de problème avec la taille. Pas de problème avec la taille, hein? Non, moi-même, je fais 1m71. 1m71. J'ai pas vraiment de problème avec la taille. Oui, 1m71. Tu es normal, hein? C'est normal. Attends, je prends ton numéro. Alors, tu préfères Normalo Fitininini ou bien Anaconda? Anaconda, ma coach. Oui, Anaconda. Oui. Elles, toutes là, même, c'est Anaconda, elles aiment, mais ces gens, elles sont en train de se donner. Ces gens, tout à l'heure, quand on va parler, une gosse là, elle me dit, coach, on rectifie, Anaconda. Oui, je connais mes caviars, hein, La KLMP. Je connais mes caviars, elles sont perspicaces. Attends, je prends le numéro. Ah, t'as mon téléphone à sonner, je ne peux pas prendre le numéro. Je prends le numéro. Ah, Seigneur, on peut faire ça. 1261. Ok, ma caviar. C'est bon, ma caviar. Donc, tout à l'heure, rendez-vous tout à l'heure. On va essayer de voir s'il y a des intéressés. Je vais vous mettre en contact, mais c'est payant. Hein? C'est payant. Il n'y a pas de problème, ma coach. Ok, à tout à l'heure, ma caviar. Merci, à oui. tout à l'heure. Oui. Allô? Allô, ma coach? Ma chérie, si tu ne diminues pas ma voix, il y a pris un autre appel. Hein? Oui, je cherche l'amour, ma coach. Tu appelles d'où? Oui, de Sénégal. Sénégal, hein? Naradev. Pardon, Majo. Naradev, ma chérie, il faut diminuer ma voix. Diminue ma voix, sinon je prends un autre appel. J'ai 23 ans, ma coach. Hein? J'ai 23 ans, je cherche l'amour. 23 ans, tu cherches l'amour. Tu fais quoi dans la vie?
Je suis étudiante, mais je fais mes petits business à côté. Ok, étudiante. Oui. D'accord. Alors, tu cherches quel genre d'homme? Je cherche un homme sérieux, un homme qui a crainte de Dieu. Voilà quoi, ma coach. D'accord. Un homme qui a la crainte de Dieu. Oui, et un homme sérieux, quoi. De quel âge à quel âge? Une femme. Pardon, ma coach? De quel âge à quel âge? De 30 ans à 40 ans, ça me va. 30 ans, 40 ans. Il faut qu'il soit travailleur, n'est-ce pas? Oui, travailleur, ma coach. D'accord, travailleur. D'accord. Alors, avec enfant ou sans enfant? Non, avec enfant, moi, je n'ai pas de problème avec ça, hein, ma coach. Un enfant, c'est un enfant. D'accord. Alors, normalo fitininini ou bien anaconda? Anaconda, c'est bon, ma coach. Ok. Attends, je prends ton numéro. D'accord, ma coach. Oui. Merci. Oui. Attends, faut pas quitter, hein. Sinon, ça va disparaître. Il y a trop d'appels. Je suis là. Ah, je peux pas prendre le numéro là. Non. C'est pas possible. Ok, ma chérie. D'accord, merci. Ok, à tout à l'heure, ma chérie. Bisous à vous. Oui, bisous, ma chérie. Bon, mes amours, c'est bon pour aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai aimé la rubrique. Vraiment, c'est une rubrique qui va cartonner. C'est une rubrique qu'on a, voilà, on a essayé ça aujourd'hui, c'est du bon. C'est une rubrique qui va cartonner, qui va très cartonner. Et on va former des couples. Et ces couples-là vont s'appeler des couples caviar. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Des couples caviar. Donc, mes amours, merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct, cette nouvelle rubrique. Et puis voilà, en tout cas, moi j'ai aimé. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai kiffé, j'ai aimé. Et puis c'est quoi, ça y est. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bisous. Mouah. Ciao. Oui, mes amours, cette magnifique perruque, Planète Extension, les produits pour la peau, Skin Technology, Baila Tania. Si vous avez besoin des tisanes, des thés, voilà, thé minceur, dégraissant, amande chic, voilà, ça c'est ce que moi-même je bois. La tisane Amon Chic, c'est ce que je bois. Ça te fait dégraisser, ça te fait, voilà, bien, ça te fait bien, là, dégraisser très bien. Et ça a très bon goût. La tisane Amon Chic, vous rentrez en contact avec moi pour commander. Si vous avez besoin d'un champagne, vous rentrez en contact avec moi pour commander. Du côté de la Côte d'Ivoire, vous faites le 0708 40 02 86. 0708 40 02 86. Du côté de la Belgique... Je vous donne Belgique là. Du côté de la Belgique, où ça y est, où? Vous voyez les choses comme ça. Voilà. Du côté de la Belgique, vous faites le plus 324 92 40 96 10. Je répète, plus 324 92 40 96 10. Je vous fais de gros bisous, mes amours. À bisous. Ciao.